pourtant bien commencé pour les Allemands. Une demi-heure de jeu à Copenhague et le Bayern ouvre la marque par Mazinho. Les Danois égalisent 5 minutes plus tard à la suite de ce corner. Un but signé Manic. Un partout à la mi-temps, le Bayern, 14e du championnat d'Allemagne, va s'effondrer après le repos et encaisser 5 buts. Nielsen donne l'avantage aux Danois sur pénalty. Désormais, il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain. Copenhague s'amuse, les Allemands, eux, sont à la dérive. Wegener inscrit le 3e but. 5 minutes plus tard, Manic, une nouvelle fois sur corner, marque le 4e. Les Allemands, entraînés depuis une semaine par le Danois Søren Lerby, sont tout simplement confisqués de ballon. La balade de Copenhague continue. Kos trouve à son tour le chemin défilé, imité quelques instants plus tard par Hutchberg. Munch pour le Bayern réduira le score à la dernière minute. Score final 6-2. Jamais le Bayern n'avait perdu sur un tel score en Coupe d'Europe.